Coucou tout le monde, voici une vidéo d'apprentissage pour la voix 3 du clip de l'été. Une petite vidéo d'apprentissage parce que je vais publier l'appel à choriste et je veux pas que vous soyez complètement lâchés dans la nature. Donc voici une petite vidéo pour vous accompagner, tout simplement. Alors, on va partir direct sur... Donc évidemment le cadrage là c'est n'importe quoi, il faudra du blanc, de l'horizontal, cadrage poitrine tête hein, dans le clip. Pensez à votre photo, votre prénom, votre nom de enfin votre la ville, votre ville, c'est la fin de la journée. Ville et numéro de département. Ok, tout ça à la chorale à domicile, @gmail.com. Mais il faudra que vous serviez, vous utilisiez l'appel à choriste pour enregistrer votre vidéo. On est bien d'accord. Hein, là, c'est une vidéo d'apprentissage. C'est parti! Alors, vous n'avez qu'à... vous n'aurez seulement que trois refrains. Puisqu'on va laisser la première voix partir tout seul. Ensuite, vous rajoutez. Ensuite, il y aura la voix 2. Voilà. Donc ça commence à les mains lavées. J'y vais. Les mains lavées à vous. Les mains lavées à moi. Les mains lavées à vous. Les mains lavées. Je fais la suite. Je sens que ça va m'agacer ce truc. Oh oui, ça m'agace, je l'enlève. Tiens, pouf, voilà. Et voilà, ça ne m'embête plus. Voilà. Quand il y a quelque chose qui nous dérange, soit on râle, soit on le change. Hein? Moi, je préfère changer les trucs. Enfin, quoique j'aime bien râler aussi, hein, de temps en temps. Allez, c'est parti. Les mains lavées, ça c'est la chorégraphie en même temps. Donc on fait schlaf, schlaf. Je montre mes mains bien tendues. Le schlaf, schlaf, on le fait près de soi. Hein. Les mains lavées. Ok. À moi, je fais la suite. Les mains lavées. Donc ça fait les mains lavées. Pa, 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 pa. Zoom, 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 zoom. Do, po, attendez, comment je vais faire? Do, si, do, do, la. Voilà, ça c'est les notes. Comme ça c'est plus simple. Do, si, do, do, la. Les mains lavées. Donc on descend sur le les. Voyez, il n'y a pas de parole qui change, mais vous, vous changez de note. Les mains lavées à vous. Les mains lavées, encore une fois. Les mains lavées. Je reprends tout depuis le début, vous écoutez bien. Les mains lavées. Les mains lavées à vous. Les mains lavées. Les mains lavées. Super. On revient sur la fin. Les mains lavées. Donc ça refait la même chose. Les mains lavées. La troisième phrase. Hein. Je disais que ça faisait la même chose parce que ça. Ça descend tout seul. Les mains lavées. Pas tout seul parce que vous exercez, mais il n'y a pas de changement de parole. Les mains lavées. Donc on reprend tout depuis le début. Les mains lavées. Les mains lavées. Les mains lavées. Ok? On refait? Les mains lavées. Les mains lavées. Les mains lavées. Propres et nettoyées. Les
les mains lavées, propres et nettoyées. À vous. Les mains lavées, propres et nettoyées. On refait avec la choré. Les mains lavées. Les mains lavées. Les mains lavées, propres et nettoyées. Là, on fait chut. On fait tchiki 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 tchiki. On frotte ses mains de droite à gauche pour vous. Donc, de l'écran, ça va faire de gauche à droite. Mais pour vous, c'est de droite. Nettoyer. Donc là, on est arrivé là. À moi, je continue. Des gouttes de désinfectant. Je vérifie la partition. Oui. Attendez. Ouh, mais qu'est-ce que j'ai beaucoup baissé? Des gouttes de désinfectant, des gouttes de désinfectant. À vous, des gouttes. Donc on fait pam pam, on remonte. Des gouttes de désinfectant. Là on est arrivé. Des gouttes de désinfectant. Pam 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 pam. Des gouttes de désinfectant. Je fais la suite. Pas trop car c'est irritant. Pas trop car c'est irritant. À vous. Pas trop car c'est irritant. Encore une fois à vous. Pas trop car c'est irritant. À moi. Des gouttes de désinfectant. Pas trop car c'est irritant. Et là le encore une fois à vous. Des gouttes de désinfectant. Pas trop car c'est irritant. Et là on va faire ça. Des gouttes de désinfectant. On va faire un et on met sa tête dessous comme ça. On voit notre tête, on se cache pas, on fait pas ça. Sinon, on ne nous voit plus, c'est dommage. Des gouttes de désinfectant. Pas trop car c'est irritant. Donc on fait comme ça, on ne bouge plus. Là, on n'a pas bougé notre main, qui est tout bien sage. Et là, on met notre doigt comme ça et on fait bouger que le doigt. J'aime beaucoup faire ça. Pas trop car c'est irritant. On reprend depuis le début? Je reprends la bonne note, ça m'embête, ça m'embête. C'est parti, les mains lavées, les mains lavées, les mains lavées, les mains lavées, propres et nettoyées, des gouttes de désinfectant. Pas trop car c'est irritant. Mets le savon. Je fais la suite. Mets le savon. Reste la meilleure solution. Mets le savon. Reste la meilleure solution. Mais à vous. Enfin, je vais faire un tout petit bout. Mets le savon. À vous. Mets le savon. À moi. Mais le savon reste. Vous avez vu sur le même endroit. À vous. Mais le savon reste là. Ça reste. Vont. De vont jusqu'à là, c'est pareil. C'est toujours la même note. Mais le savon reste là. À vous. Mais le savon reste là. Et là, on monte un petit peu. Meilleure solution, meilleure solution. À vous.
Meilleure solution. Il y a deux options pour cette dernière note. C'est meilleure solution ou meilleure solution. En fonction de ce que vous avez la possibilité de faire avec votre voix. Mais le savon reste la meilleure solution. Premier choix. Mais le savon reste la meilleure solution pour les basses. On refait? Allez. Et après, on fait la suite. Je vérifie que c'est la bonne note. Les mains lavées. Tendez bien les bras. Les mains lavées, les mains lavées, propres et nettoyées, des gouttes de désinfectant, pas trop car c'est irritant, mais le savon reste la meilleure solution. Oh, pardon. Donc, mais le savon reste la meilleure solution. Et là, on fait bouger ses pouces de haut en bas dans notre cadre. Quelle que soit l'option, mais c'est la meilleure solution. Donc, meilleure solution ou meilleure solution. Vous choisissez. On continue? Je vais aller plus vite parce que, a priori, vous n'aurez plus qu'à travailler les paroles et la choré. La distance, donc la distance. Là, donc on a les mains près de soi, collées à soi, et on allonge, comme les mains propres et nettoyées. La distance, là on garde les côtés. La distance. Donc on a le droit de regarder un peu méchamment sur les côtés, genre vas-y, t'es trop près, toi bouge. Donc on fait la distance, la distance, la distance. Donc vous avez vu, là je me suis baissée. 2 mètres carrés. Donc 2 mètres carrés. 2 mètres. Angle, angle, centre. Donc on a fait, on s'est baissé pour être les bras tendus. C'est plus facile si on est debout. Hein. Là, je suis un peu feignasse. Je me suis mise sur une chaise. Enfin, je suis pas feignasse. Je commence à fatiguer parce que j'ai enregistré toute la journée des vidéos. Donc là, je commence à fatiguer. Donc la distance, la distance, la distance. 2 mètres carrés. J'ai shooté dans le truc. Pardon. Oh là là. Alors, la suite, c'est un petit pas de côté, avancer ou reculer. Les pas font ceci. Un petit pas de côté, un peu. Gauche rassemble, droite rassemble, milieu rassemble. Un petit pas de côté. Un peu gauche rassemble, droite rassemble, centre rassemble. Un petit pas de côté. Ça, mes mains, c'est les pieds en fait, hein. C'est vos pieds. Mais comme vous ne pouvez pas les voir, je le fais avec les mains. Un petit pas de côté. Avancer ou reculer. C'est pareil. Avance, avance, rassemble, recule, rassemble, milieu, rassemble. Ça, c'est toujours mes pieds vus de haut. Avancer ou reculer. OK? Un petit pas. Je fais mes pieds en même temps. Mes mains sont mes pieds. Vous ne le ferez pas, hein, évidemment. Un petit pas de côté. Avancer et reculer. Vous voyez pas. Avancer ou reculer. La diagonale. Et là, paf, on met les bras en diagonale. Est une option recommandée. Et là, on fait du karaté. On fait des diagonales dans tous les sens. Wow. OK? Ensuite, on va faire la
Le dernier, le troisième. La patience. Donc, en fait, on fait un geste de qigong. Vous savez, le truc. Donc, la patience. La patience. La patience pour tout digérer. Vous avez vu, donc on fait, on inspire. La patience, on baisse sur patience. La patience, on fait un peu la tronche quand même quand on respire, genre on est patient mais pas du tout en fait. La patience. La patience pour tout digérer. Là, c'est digérer dans le cœur, hein, pas dans l'estomac. D'une part, parce qu'il y a des choses psychiquement qu'il faut digérer. C'est pas que l'estomac qui digère. Et aussi parce que comme le cadre sera de là à là, bah, si vous faites ça sur votre ventre, personne ne le verra. Et on se demandera même qu'est-ce que vous faites. Pour tout digérer. On finira par trouver. Alors là, on se rapproche tout doucement de la caméra et on va montrer des trucs imaginaires et on va les regarder. On finira par trouver de la créativité. En attendant, il faut du temps pour s'habituer. Hey! J'étais un peu vite à la suite, à la fin. Mais je pense que c'est déjà pas mal, déjà une vidéo de 16 minutes. Vous allez déjà peut-être en avoir un petit peu marre, hein? En tout cas, moi, je suis super contente de vous retrouver. Eh bien, écoutez, après, vous passerez des vacances et je vous laisserai tranquille. Mais sachez que ça va être chouette, ce clip va certainement à nouveau passer sur France 3, tout ça, enfin un extrait, tout ça. Donc, ça va être chouette, vous allez penser à la télé. Vous avez passé deux fois à la télé sur YouTube et après chez France 3. C'est trop bien. Bon allez, je vous embrasse. À tout bientôt. Travaillez bien, bon courage.